D'abord, bon, c'est la préface à un livre qui a eu un écho important, qui a été publié en 1966, c'est une réédition écrite par Maxime Rodinson sur l'islam et le capitalisme. C'est un livre qui est à la fois daté, parce que c'est vraiment quand on relit un certain nombre de choses, c'est une autre période, c'est une période où le socialisme était dominant dans les idées, c'est la période de la guerre du Vietnam, des luttes en Amérique latine, etc. etc. Mais en même temps, Rodinson essaye de répondre aux questions qui se posait à l'époque et qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure l'islam est un obstacle au développement capitaliste, a été un obstacle au développement capitaliste, dans quelle mesure l'islam explique le retard entre guillemets du monde musulman. Et c'est des questions qui sont absolument actuelles parce qu'aujourd'hui on a le même discours qui essaye, je veux dire, si on peut le résumer de manière très schématique, c'est pour comprendre les problèmes des sociétés musulmanes, il faut comprendre l'islam. Et la démarche de Rodinson, la mienne aussi d'ailleurs, c'est exactement le contraire, c'est qu'il faut analyser ces sociétés musulmanes avec les outils de la raison, les outils des scientifiques, sociologie, histoire, etc., qu'on applique à toutes ces sociétés, et aussi à l'analyse de l'islam, mais ce n'est pas l'islam qui nous permet de comprendre ces sociétés. Mais c'est un très vieux débat, c'est un débat qui remonte au 19e siècle, à Renan, donc c'est quelque chose d'important. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est, si vous voulez, on a vécu au XXe siècle avec des modèles de révolution qui sont en gros la révolution soviétique, la révolution chinoise, la révolution algérienne d'une certaine manière et la révolution iranienne. C'est-à-dire une conquête du pouvoir d'État par une force, en général un parti politique, qui dispose d'une idéologie mobilisatrice et qui propose une société nouvelle. Je ne fais pas de jugement, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, c'est la réalité du XXe siècle. Mais ce n'est pas la réalité de toutes les révolutions. Si on prend la Révolution française, par exemple, elle va s'étendre de 1789 à l'instauration définitive de la République, qui est 1870, c'est-à-dire pratiquement sur un siècle. Après, bon, il y a des gens qui vous diront il faudrait recréer un parti d'avant-garde avec une idéologie. D'autres qui vous diront non, c'est très bien. Moi, je constate que ce n'est pas, à mon avis, c'est pas possible. Et c'est pas que le monde arabe. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde occidental avec tous ces mouvements Occupy Wall Street, les indignés, etc. Finalement, dans d'autres circonstances, évidemment, les mouvements populaires sont confrontés aux mêmes difficultés. C'est-à-dire à la fois c'est des mouvements très larges, mais c'est des mouvements, il n'y a pas de parti politique pour les porter, il n'y a pas d'idéologie non plus, c'est-à-dire globalement au XXe siècle, il y avait, disons, l'idée du socialisme sous ses différents aspects apparaissait comme une idéologie mobilisatrice. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, en partie, et ça aussi c'est important de le dire, parce que souvent dans le monde arabe, il y a l'idée... Chez nous, c'est particulièrement difficile. Et c'est vrai parce que c'est l'héritage de 50 ans de dictature, etc. Mais il y a aussi une réalité internationale qui fait qu'aujourd'hui, les transformations sociales ne se posent plus dans les mêmes termes. Si vous voulez, je vous donne l'exemple, quand Nasser prend le pouvoir, il y a la révolution agraire, l'éducation pour tous, la santé pour tous, et puis la nationalisation de l'industrie. Ça apparaît, c'est un modèle cohérent. Aujourd'hui, personne n'a de modèle cohérent, et ici, c'est le cas. Mais ça ne veut pas du tout dire que rien ne change. Ça veut dire simplement que les changements prennent plus de temps. Ils prennent plus de temps, et c'est parfois aussi moins violent quand ils prennent plus de temps. On peut aussi voir un aspect positif, c'est-à-dire que c'est pas la révolution soviétique, c'est pas la révolution iranienne, c'est des processus plus lents, mais je crois que c'est des processus profonds. Malgré toutes les difficultés aujourd'hui, moi je ne suis pas pessimiste sur l'avenir, sur ce qui s'est déclenché dans le monde arabe. Je pense que ça va aboutir à des transformations profondes, mais ça prendra du temps. Pour l'instant, on n'en a pas eu, et ce qui est étonnant, c'est justement dans la pensée des forces. Sociales dominantes comme les frères musulmans, il n'y a pas de pensée économique vraiment indépendante. Aujourd'hui, ils sont pour le marché, ils sont pour le libre-échange, ils sont pour le paiement de la dette. Mais il faut rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. Maxime Rodinson le rappelle, mais dans les années 60, Mustafa Sibeï, qui est un des leaders des
frères musulmans syriens, fait un truc sur le socialisme, un livre qui va avoir énormément de succès sur le socialisme musulman. Sayed Qutb prône le socialisme musulman, avant de se radicaliser en termes, je dirais, islamistes. Mais c'est aussi que dans les années 60, tout le débat porte autour du socialisme, pas du capitalisme, et que, curieusement, les islamistes se situent par rapport à ce débat. Donc c'est pas quelque chose, si vous voulez, pour moi il n'y a pas une espèce de liaison congénitale entre les courants islamistes et le capitalisme. Il y a eu récemment, même si c'était très petit, quand il y a eu les manifestations contre Erdogan en Turquie, il y avait un groupe qui s'appelait les musulmans contre le capitalisme. Donc ce que prouve le livre de Renaçon sur islam et capitalisme, c'est justement la souplesse, c'est-à-dire qu'au nom de la religion, vous pouvez finalement avoir des projets politiques et programmatique totalement différent. Je veux dire, c'est dans le monde catholique, on devrait être capable de comprendre ça. Dans le monde catholique, vous avez une église hiérarchisée, organisée, etc. Et vous avez des gens qui se sont réclamés de la théologie de la révolution, c'est-à-dire du socialisme, à des gens qui se réclamaient de l'extrême droite fascisante, et tout ça au cœur de la même église, et tout ça au nom des mêmes textes. Et je dirais, dans l'islam, où il n'y a pas cette centralisation, c'est possible. Simplement, si aujourd'hui l'essentiel des forces islamistes, disons, se situe dans le camp capitaliste, c'est aussi la faiblesse de la pensée socialiste ailleurs. C'est qu'il n'y a pas de, gens qui ont un projet socialiste qui soit aujourd'hui cohérent, crédible, et qui puisse combattre ces tendances néolibérales qui existent chez les islamistes. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la victoire de l'islam politique. Qu'est-ce que serait la victoire de l'islam politique? Je dirais, parce que ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Si vous placez du point de vue des islamistes, qui est l'État islamique, c'est évident. Si vous vous placez de l'idée d'intégrer, enfin de devenir une des forces de la société, comme d'une certaine manière c'est le cas en Turquie, ils ont réussi en Turquie, ils ont échoué totalement en Égypte, en Tunisie, c'est ouvert. Je ne crois pas qu'il y ait possibilité aujourd'hui, dans le monde arabe, de réinstaurer des pouvoirs hégémoniques autoritaires du même type que ceux qui existaient avant, que ce soit au nom du marxisme, au nom de l'islamisme, ou au nom de quoi que ce soit. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est une des difficultés des révolutions dans le monde arabe, c'est qu'il y a des enjeux très différents. Il y a un enjeu économique et social qui est tout à fait majeur, mais dont finalement peu de monde parle. Et les forces politiques, que ce soit les islamistes ou l'opposition, moi je ne sens pas un vrai programme politique, sinon la poursuite des politiques néolibérales telles qu'elles s'appliquent, plus ou moins adaptées. En revanche, il y a un autre problème qui est posé, et qui est propre là aux sociétés du monde arabe, c'est, je dirais pour moi, l'acceptation du pluralisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le veut, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, il y a des courants islamistes et des courants laïcs. Les courants islamistes sont très divisés, les courants laïcs sont très divisés. Il faut que tout le monde arrive à accepter qu'il faut un cadre commun à tout le monde. Et je dirais que c'est la différence pour moi entre l'Égypte et la Tunisie. La Tunisie, d'une certaine manière, c'est peut-être un exemple qui montre qu'il peut y avoir un compromis historique, non pas sur l'idéologie, je veux dire, on ne va jamais mettre d'accord en termes idéologiques, mais je veux dire, c'est comme quand avant en France, vous aviez Parti communiste, Parti socialiste. Le problème n'était pas de trouver une idéologie commune, le problème était de trouver un cadre dans lequel se déroulent les luttes politiques et qui est globalement accepté par tout le monde. Et ça, finalement, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, qui ne s'est pas passé en Égypte. En Égypte, les frères musulmans portent une partie de la responsabilité, l'opposition porte une partie de la responsabilité, et l'État, ce qu'on appelle l'État profond aussi, qui veut une espèce de revanche. Mais je pense qu'au-delà de ça, la question de l'acceptation du pluralisme dans les sociétés arabes, c'est-à-dire que celui qui n'est pas d'accord avec vous n'est pas un ennemi, n'est pas, si vous voulez, en Égypte, aujourd'hui, on traite les frères musulmans comme s'ils n'étaient pas égyptiens. Ça représente 20-25% minimum de la société égyptienne. Vous ne pouvez pas exclure 20-25% de la société égyptienne. Et aussi, abandonner l'idée de cette... qu'il y a eu dans la lutte nationale anticoloniale et qui était compréhensible, c'est-à-dire l'unité du peuple face à l'ennemi, face à l'étranger, etc. Mais aujourd'hui, je veux dire, on peut accepter une unité dans la diversité.
Et ça, c'est vraiment un enjeu, à mon avis, qui n'est pas seulement un enjeu politique, qui est aussi un enjeu idéologique, qui est un enjeu, est-ce qu'on accepte la liberté de penser vraiment, la liberté de croyance, la diversité, vous pouvez être musulman, chrétien, athée, etc. Ce sont des enjeux qui me semblent importants. Oui, à condition à la fois qu'ils tirent les leçons du passé, c'est-à-dire pourquoi les modèles qui se sont imposés en Égypte, en Syrie, en Irak ont finalement abouti en termes à la fois politiques et sociaux sur des choses très négatives, et en même temps d'essayer de, si vous voulez, on ne peut pas transformer la société tant qu'il n'y a pas une révolution, je veux dire au sens où je parlais Iran, etc. Il y a le problème, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre? Si vous voulez, prenons l'exemple de la Tunisie. Elle est liée aujourd'hui à l'Union européenne, au marché mondial, qui fait que, quel que soit le gouvernement, il ne peut pas rompre ça. Je ne peux pas imaginer. Le dernier gouvernement qui a fait cette rupture, c'est l'Iran, à la fois parce qu'il y avait une révolution, mais aussi parce qu'il y avait le pétrole. Donc, qui permet une autonomie. Ici, ça ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est possible. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, mais il faut accepter de rentrer dans un jeu politique qui est compliqué, qui est fondé sur des rapports de force, qui est fondé sur des combats politiques, sur, par exemple, dans les négociations avec l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Dans la négociation sur la dette, parce qu'il faut abolir une partie de la dette, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Et on peut obtenir des choses. Et en plus, je dirais que la Tunisie a aujourd'hui un avantage, c'est qu'elle est le seul exemple qui a réussi dans le monde arabe, et que, aussi bien pour les Européens que pour les États-Unis, c'est important que ça réussisse. Et que donc, dans les négociations, c'est une carte réelle aux mains du futur gouvernement tunisien pour obtenir un allègement de la dette, pour obtenir qu'on ne fasse pas une ouverture anarchique du marché qui arrive à liquider l'agriculture ou l'industrie locale, etc. Je ne sais pas s'il y a eu, si vous voulez, il y a eu effectivement un discours révolutionnaire, mais qui était plutôt, enfin, on a vu en Algérie ou en Égypte, qui était plutôt un discours radical armé d'insurrection contre l'État, la volonté de changer. Je ne sais pas si ça s'appuyait, ça s'appuyait aussi sur un discours anti-impérialiste, mais je ne sais pas si ça s'appuyait vraiment sur un discours ou une pensée sociale. Sans doute il y a des exemples différents selon les pays. Mais vous avez raison, aujourd'hui, le poids de l'Arabie Saoudite, à la fois en termes de financement idéologique, etc., a influencé de manière très importante l'islam. C'est le wahhabisme qui était quand même la lecture wahhabite de l'islam qui était quand même extrêmement minoritaire, s'est affirmée petit à petit à travers l'exportation des imams qui venaient d'Arabie Saoudite, à travers l'argent, etc., etc. Mais en même temps, c'est un modèle aujourd'hui qui trouve ses limites, y compris en Arabie Saoudite même, parce que c'est un modèle qui a alimenté à l'intérieur de l'Arabie Saoudite des courants qui aujourd'hui se retournent contre la monarchie. Mais c'est vrai qu'il y a une lutte autour de l'islam. Il y a toujours eu, c'est pas nouveau, c'est l'islam comme toutes les religions. C'est-à-dire de savoir, comme je l'ai dit, dans les années 60, l'islam politique se réclamait en partie du socialisme. Aujourd'hui, l'hégémonie des idées de droite est dans les courants islamistes comme ailleurs, est effectivement un problème. Alors, il y a un autre aspect là-dedans qui est l'aspect anti-impérialiste, qui est beaucoup lié à la question palestinienne, évidemment. C'est une des questions qui rend une alliance stratégique, entre l'islam politique et les États-Unis assez difficile. Elle n'est pas impossible. Comme Morsi était au gouvernement, a été au pouvoir, il n'a pas aboli les accords de Camp David et la paix avec Israël, parce qu'il était dans un cadre de rapport de force, parce qu'on était dans la politique. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'une vraie alliance stratégique pose un certain nombre de problèmes aux forces islamistes. Et les politiques menées par les États-Unis, l'hostilité qu'elles suscitent massivement dans le monde arabe et musulman, leur pose évidemment un problème. Donc là, il y a effectivement des évolutions qui sont possibles dans ces courants islamistes.
Et je pense au-delà de ça, c'est, moi j'ai toujours été avant, avant la révolution arabe pour dire il faut que les frères soient au gouvernement. Parce que je pense que c'est la seule manière de les ramener à la réalité. Et si vous voyez, c'est l'exemple de l'Égypte. Je pense que le 3 juillet, c'est un coup d'État, même s'il a été, et que les manifestations du 30 juin, même si elles ont reflété un rejet réel des frères musulmans, ont été en partie manipulées par l'appareil d'État. Mais en même temps, si vous voulez, les frères musulmans, aux premières élections, pratiquement remportent 50% des sièges, et Morsi, au premier tour, il remporte 25%. C'est-à-dire qu'en 2 ans de vie politique relativement libre, le poids des frères a diminué. Et ça me semble important. C'est-à-dire que ce que 30 années de répression des frères n'ont pas pu faire, des élections, pas seulement des élections, mais un climat de débat politique, etc., permet effectivement de ramener les frères à ce qu'ils sont et pas comme une force hégémonique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et, bon, le cas, il est meilleur dans le sens où, justement, au lieu de virer Edna Hadar par un coup d'État, bon, évidemment, ici, ce n'est pas tout à fait possible, mais finalement, il y a eu un compromis. Et il y a eu un compromis aussi parce que les forces de l'opposition laïque, dans leur diversité, ont accepté ce que la plupart des forces égyptiennes n'ont pas accepté, c'est que Edna Hadar est une partie du jeu politique. On peut être contre, on peut être violemment contre, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème n'est pas de dire nous sommes tous d'accord alors qu'il y a des divergences profondes, mais ils sont une partie de la société, avant d'être une partie du jeu politique, ils sont une partie de la société tunisienne. Et ce qui est clair en Égypte comme ici, c'est que si on veut les éliminer, ça ne s'arrête pas à eux. C'est-à-dire en Égypte, on le voit bien, on a arrêté les frères musulmans, puis les jeunes de la révolution, puis on va arrêter d'autres, puis les syndicalistes, etc. Il n'y a pas un moment où on peut mettre de côté une partie de la société en disant « il va y avoir la démocratie à côté ».